Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir un truc que George Harrison a souvent utilisé dans ses compositions. Il s'agit des mouvements de basse descendants. Je m'appelle Maxime, vous êtes bien sur la chaîne Moderne Guitare. Au début de cette vidéo, je vous ai joué quelques extraits de quelques compositions de George Harrison. En écoutant quelques-unes de ses compositions, j'ai remarqué qu'il utilisait quand même pas mal de fois cette technique de conduite des voix qui est de faire des mouvements de basse descendants. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien tout simplement, c'est comme si vous jouiez un petit contrepoint mélodique à la basse dans votre accompagnement harmonique. Ça permet de rendre un peu plus intéressante la partie de basse dans votre accompagnement au lieu de jouer toujours les fondamentales de chaque accord. Premier exemple dans While My Guitar Gently Weeps, donc titre composé par George Harrison en 1968 et qui figure sur le White Album. Nous sommes en La mineur et on commence sur un accord de La mineur. Et dans la première partie de cette progression harmonique, on va avoir comme ça un mouvement de basse descendant où on va entendre La, ensuite Sol, ensuite Fa dièse et ensuite on arrive sur le Fa. Voilà, donc ça c'est vraiment la partie de basse que vous allez entendre dans ce morceau. Et on va voir comment ça s'articule par rapport à l'harmonie qui est jouée. Donc on commence par un accord de La mineur. Et ensuite, on va venir jouer un accord toujours de La mineur, mais avec une basse en Sol. Donc là, ici, on peut considérer que le Sol, c'est la septième mineure de mon accord de La mineur. Ensuite, on va avoir un petit mouvement chromatique entre le Sol et le Fa. C'est-à-dire que du Sol, on va venir sur un Fa dièse. Et sous ce Fa dièse, on va venir jouer un accord de Ré 7. Donc j'ai mon accord de Ré 7 ici. Il me suffit juste de rajouter un Fa dièse à la basse. Alors soit vous le jouez dans cette position. Soit si vous êtes fort, vous avez un gros pouce, enfin en tout cas un long pouce et de grandes mains, vous pouvez essayer de le jouer avec le pouce. Et après l'accord de Ré 7, on va venir jouer un accord de Fa majeur. Donc vous voyez ici le mouvement de basse, il part du La, sous un accord de La mineur, Sol, toujours sous un accord de La mineur, Fa dièse, un accord de Ré 7. Donc ici le Fa dièse. Enfin, en tout cas le Ré 7 avec le Fa dièse à la basse, c'est le premier renversement de l'accord de Ré 7. Hein, j'ai la tierce majeure à la basse. Et après, on descend encore chromatiquement d'une marche pour arriver sur le Fa, qui est ici la fondamentale de l'accord de Fa majeur. Alors, deuxième exemple, c'est le morceau qui s'intitule I'll Have You Anytime, qui figure sur l'album solo de George Harrison, All Things Must Pass, qui a été publié en 1970. Pour moi, c'est peut-être le meilleur morceau de George Harrison. Si vous ne connaissez pas, allez l'écouter, c'est vraiment extraordinaire. Mais ici, on va s'intéresser juste à une toute petite partie qui rappelle eh bien, l'exemple précédent de While My Guitar Gently Weeps. On va retrouver encore une fois un mouvement de basse descendant. Alors ici, on va partir sur un accord de Ré majeur. Et on va jouer, on va garder cet accord de Ré majeur et en mettant un Do à la basse. Après le Do, on va retrouver le même mouvement chromatique que précédemment. Du Do, on va descendre chromatiquement jusqu'au La. Donc on va faire Do, Si, Si bémol pour arriver au La. Donc on part du Ré, ensuite on joue Do sur un accord de Ré. Vous pouvez jouer aussi la corde à vide de Sol. Ensuite, on arrive sur un renversement de l'accord de Sol majeur avec le Si à la basse. Et vous pouvez garder le Fa dièse, donc ça nous fait un renversement d'un accord de Sol majeur 7.
Donc on descend encore chromatiquement d'une marche et on arrive sur l'accord si bémol majeur. Vous pouvez lui rajouter par exemple le sol corde à vide, donc il lui fait une sixte, on rajoute une sixte majeure. Et de là, on va encore descendre chromatiquement d'une marche pour arriver sur un accord de la majeur. Le passage dans son intégralité, donc ré, ré basse do, sol avec la basse ici, si bémol majeur, et on arrive sur la majeur. Le troisième exemple, c'est le morceau Something, qui figure sur Abbey Road des Beatles, donc en 1969. Et pareil, on va encore retrouver des mouvements de basse descendants. Alors, on va trouver des mouvements descendants, mais pas forcément toujours à la basse. Par exemple, au début, sur le couplet, nous sommes en Do majeur. Et ici, George Harrison va faire un mouvement qui est vraiment très typique et que vous retrouvez vraiment très souvent dans le répertoire de la musique pop. Donc, je suis sur Do majeur. Je vais jouer ensuite un Do majeur 7, ensuite un Do 7, pour arriver sur un Fa majeur. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un mouvement très typique, très stéréotypé. On part donc du Do majeur et on a un petit mouvement chromatique, alors cette fois-ci qui n'est pas situé à la basse, mais finalement c'est un peu la même idée. On part du Do, ici à l'aigu, et on va faire Do, Si, Si bémol, et La. Donc le Do ici, eh bien c'est ma tonique, c'est la fondamentale de ma tonalité. Ensuite, le Si, ça va être la septième majeure de mon accord de Do majeur. Cet accord-là avec le Si bémol, eh bien il se transforme en accord de septième de dominante. En l'occurrence, ici dans le contexte de la tonalité de Do majeur, ça va être le cinquième degré du quatrième degré de Do majeur. Hein, c'est un accord de dominante secondaire. Pour les accords de dominante secondaire, je vous renvoie aux quelques vidéos que j'ai déjà tournées sur le sujet. Et ensuite, que fait George Harrison? Eh bien, on passe sur l'accord de La mineur. Et ici, on va retrouver un mouvement de basse descendant, et cette fois-ci, de manière différente que celui qu'on avait vu sur le premier exemple de While My Guitar Gently Weeps, puisqu'ici, on va vraiment avoir une descente chromatique à partir de la première note. Donc je vais avoir ceci. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors si vous connaissez un petit peu le répertoire pop et rock, c'est quelque chose, et même jazz d'ailleurs, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu des milliers de fois sur plein de morceaux différents. Ici, on part du La mineur. Et donc on va descendre chromatiquement la fondamentale, la basse. Donc ensuite je vais jouer un Sol dièse, un Sol, et ensuite un Fa dièse. Qu'est-ce qui se passe harmoniquement ici? Vous voyez que j'ai que la note grave qui bouge, toutes les autres voix de l'accord restent en place. Je commence sur mon accord de La mineur, ici avec le Sol dièse, ça me fait un accord de La mineur avec une septième majeure. Avec le Sol bécard, eh bien ça me fait un accord de La mineur 7, hein, puisque le Sol bécard ici c'est la septième mineure. Et quand j'arrive sur le Fa dièse, mais ici ce Fa dièse, il fait partie de l'accord de Ré 9, cet accord-là, un accord de 9e de dominante. Alors je vous l'ai dit, ce mouvement-là, on le retrouve vraiment dans plein d'autres morceaux, et notamment dans un morceau des Beatles, que vous avez peut-être reconnu, c'est Michel. Alors Michel qui n'a pas été composé par George Harrison, mais par Paul McCartney. On
retrouve exactement le même mouvement harmonique avec cette basse descendante qui descend chromatiquement. Mais ici, si je reviens sur le morceau de George Harrison, dans la tonalité de La mineur, ça vous fait peut-être penser à un autre morceau, ça vous fait penser à Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Alors, quatrième et dernier exemple, c'est le morceau I, Me, Mine, toujours de George Harrison, donc, qu'il a composé pour Let It Be, le film, sorti en 1970. Ici, c'est intéressant, puisqu'on va avoir, eh bien, comme les autres, un mouvement de basse descendant, mais on va trouver, eh bien, l'inverse, c'est-à-dire un passage où on va avoir un mouvement mélodique ascendant, cette fois-ci. Donc le passage en question, on est sur un accord de Ré mineur. Alors la tonalité principale n'est pas celle de Ré mineur, mais de La mineur. On va avoir un passage intéressant dans lequel, sur l'accord de Ré mineur, eh bien, on va avoir un mouvement mélodique ascendant. On va partir de Ré, et on va jouer Ré, Mi, Fa, Sol, ici Sol dièse, qui est la tierce majeure de l'accord de Mi 7, même avec il rajoute une neuvième bémol. Donc on a le sol dièse sous l'accord de mi et on continue la montée cette fois-ci. Donc on part sol dièse, la et on va jusqu'au si. Donc ré. Voilà, ici le si qui est la quinte juste de mon accord de mi 7. Que fait-il juste après ce passage? Nous nous retrouvons en La mineur et voilà ce qu'il joue. Oh, comme par hasard, c'est exactement ce qu'on vient de voir dans Something. Donc on a la descente La mineur avec 7e majeure, La mineur 7 avec la 7e mineure. Et ici, alors tout à l'heure on avait un accord de Ré 7, plutôt Ré 9, un accord de 7e de dominante sur Ré. Ici on peut considérer qu'en fait c'est toujours un accord de La mineur mais avec une 6e majeure. Le Fa dièse étant la 6e majeure de mon accord de La mineur. Et on arrive sur un accord de Fa majeur 7. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez d'autres exemples de chansons de George Harrison qui utilisent le même principe de mouvement de basse descendant, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Dans les commentaires, vous pouvez également me dire quelle est votre chanson préférée de George Harrison. Voilà, c'est tout pour moi. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, eh bien, il vous suffit de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aller faire un tour sur le site moderneguitaronline.com. Si vous voulez m'entendre et me voir jouer un peu plus que sur ma chaîne YouTube, je vous conseille d'aller vous abonner à la page Instagram, profil Instagram de Modern Guitar. Vous avez les liens dans la description. Voilà, et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.